ensemble aujourd'hui donc sur Alien Isolation, promis lors de l'émission de jeudi. Je pense qu'on va se faire pas mal de frayeurs. Parce que c'est le jeu qui veut ça. Alors, juste le temps de me souvenir des différents contrôles du jeu. Déjà c'est un bordel sans nom, faut se souvenir où aller. Et surtout ne pas croiser la petite bête, puisque si vous avez suivi le stream de lundi dernier, donc j'avais déjà streamé pendant 2 heures le jeu, on a croisé la bête à la fin du stream, et là donc maintenant elle fait partie intégrante du jeu. C'est une immense partie de cache-cache. Donc le but ça va être de rejoindre l'objectif. Donc si vous ne me trouvez pas extrêmement loquace durant ce stream, c'est en partie voulu, c'est en partie fait exprès. Puisqu'encore une fois, je guette tous les sons dans mon casque. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de fails dans ce stream. Ça, je suis en train de flipper comme un con. Alors c'est mon objectif qui est indiqué. Détecté au niveau du radar. Hop, je regarde si je suis toujours dans la bonne direction. Ouais, c'est bon, pas de problème. Je suis quand même en train de flipper ma race là. Parce que si je tombe nez à nez avec l'alien, forcément je suis dépourvu, j'ai pas d'armes. C'est le principe du jeu, encore une fois. Toujours dans la bonne direction, c'est parfait. Ça, je peux pas encore l'utiliser. Ah, alors là j'ai quelque chose. Bien prendre mon temps. Ah. Ok, là j'ai quelque chose qui se rapproche pas mal. Voilà, on est vraiment super bien mis dans l'ambiance. On a vraiment l'impression d'être dans le premier film de Ridley Scott. Avec ce fameux détecteur. Là apparemment je vais pouvoir y aller. Check. Voilà, encore une fois, l'idée là c'est vraiment d'avancer accroupi. Bon, première partie réussie. Ouais, l'idée c'est vraiment d'avancer accroupi sans faire de bruit. Alors c'est un jeu où vraiment faut prendre son temps pour éviter de se faire repérer. Voilà, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, hein, ça va pas être un stream de présentation du jeu, parce qu'encore une fois j'ai fait ça lundi dernier, donc voilà, ça va vraiment être un stream walkthrough, un stream de gameplay. Découvrir ensemble le titre. Donc, je vais essayer de parler le moins possible. Je vais augmenter un peu le son.
Dans le casque, en tout cas. Donc, on va voir. Alors, j'ai eu pas mal de critiques sur les points de sauvegarde assez espacés. Donc, je vais essayer de gérer ça pour pas faire trop de fail. J'ai pas l'impression d'être au bon endroit. Pop, direction. Tatatap. C'est pareil, c'est un jeu où on passe énormément de temps sur les maps. Comme recharger mon flingue, même si en l'occurrence j'ai pas l'impression que ça va servir à grand chose. J'ai pas l'impression pour le coup d'être dans la bonne direction. Faut que je retourne là-bas. Ah, du coup j'ai lâché le jeu depuis une semaine parce qu'entre temps j'ai fait d'autres streams, notamment sur Evil Within. Et puis j'ai bossé aussi, ça m'arrive. Donc il faut le temps de me remettre un petit peu dans le bain. Alors les temps de chargement par contre entre deux zones sont un peu longuets, ça c'est dommage. Surtout que le jeu est installé sur le disque dur en plus. Écran, le chargement. Je suis pas encore retombé nez à nez avec la bébête. Jusqu'à présent, tout va bien. Objectif mis à jour. Trouver un autre chemin. Alors j'ai mal dû m'y prendre avec la map. Non, c'est bien là. Qu'est-ce que j'ai foiré? Est-ce que je peux aller derrière lui? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On est bien d'accord, c'est par là que je dois aller. Je comprends pas. Trouver un autre chemin.
Allez, la salle de contrôle des com. La salle de contrôle des communications pourra gérer les communications externes. Trouvez-la et envoyez un message au Torrens. Voilà, je vais retourner par là. Je vais encore me retaper des temps de chargement. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on est là pour découvrir le jeu dans les conditions du direct. Par contre, s'il faut que je me retape 25 allers-retours là à chaque fois, avec les écrans de chargement, ça va être un peu longué. S'attaquer à du alien dès le lundi matin, c'est assez puissant. Direction Sixon Communications. J'avoue, je suis complètement paumé. Peut-être que finalement je suis pas trop mal tombé. Il y a toujours le problème en fait des étages. Jusqu'à présent, on dirait que j'ai pas de petites bébêtes qui rôdent. Alors, ici. J'ai l'impression que je suis en train de tourner en rond là. Ouais, j'ai pas d'objectif là, donc c'est forcément d'où je venais. Non, mais c'est pas grave, on refait un petit aller-retour. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le wiki. Salut à toi, bienvenue sur le stream. Je te cache pas que je suis un peu paumé en ce moment. Je dois trouver une route, mais introuvable. Donc je me retape pour la troisième fois l'écran de chargement entre deux zones. Oh, on appelle ça les aléas du direct. Alors, trouver un autre chemin. Donc, si je regarde sur le plan,
trouver un autre chemin avec des portes bloquées. Aller à la salle de contrôle des coms. La salle de contrôle des communications, blablabla. Bon. Je pense que le mieux encore, c'est de refaire le tour. Oula! Ça sent l'alien qui rôde dans les parages. C'est pas grave, même pas peur, j'y vais. Je vais encore augmenter légèrement le son dans le casque. Pour être sûr de ne rien louper. Alors que le vaisseau craque de partout. Oh non, c'est bon. Logiquement, il n'est pas dangereux l'androïde là à l'intérieur. Oula. En fait, c'est juste les androïdes. Ouais, je vais reprendre les escaliers en fait. Alors lui, logiquement, il ne veut pas de mal. En fait, je pense que j'ai dû me louper d'un étage. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne? Trouve un autre chemin. C'est soit plus haut, soit plus bas. Là, de toute façon, je peux pas monter, donc je propose de descendre. Encore et encore. Ah, j'y vais vraiment prudemment. Là, je vous cache pas que je suis en flip total. Non, on peut pas descendre davantage. Là, je suis en train d'attirer l'alien, mais d'une force. D'accord. Alors, rien à ramasser par là. Alors, je vais tenter comme ça. Il y a une porte qui s'est ouverte. Je sais pas si j'aurais dû faire du bruit. Bon, ça c'est fait.
J'en profite pour fabriquer des objets au passage, comme ça c'est fait. Je me débarrasse du loot. Alors, trouver un autre chemin. Putain. Oh, il m'a fait peur ce truc. De toute façon, c'est par là que je vais devoir aller. Je pense qu'il n'y a pas à chier. Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution à l'amiable. C'est mal engagé. Donc j'ai comme l'impression que cet androïde va pas être mon ami. Oula. Obtenir accès à l'ascenseur, éviter la détection. Déjà, je vais aller sauvegarder. Sécurité de surveillance. De toute façon, je suis pas trop le choix, faut que j'y aille. Mais un point de sauvegarde ne serait pas du luxe. Thank you.
Allez. C'est clair, allez. C'est rare les jeux où il y a une telle tension. C'est bon. Ouf. Petite cinématique encore. Enfin, écran de chargement. Ah non, même pas. Quelle mauvaise langue je fais. Cap central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Un point de sauvegarde, c'est bon ça. Allez, éteins-toi, c'est bon. Alors, les forces en présence, on a un escalier. Je viens de sauvegarder, donc je peux éventuellement tenter ce chemin-là. De toute façon, c'est par là que je vais aller apparemment. On entend. L'ambiance est vraiment excellente, on entend et on sent le vaisseau qui craque de partout. Il y a un truc qui arrive là. Ça a pas l'air de se rapprocher. Là, on a une belle vue sur l'extérieur. Alors, je descends d'un niveau. Oh putain. Est-ce qu'il m'a vu ? Il a dû m'entendre, hein, vu le bruit que j'ai fait. Oh putain. Je suis vu, je suis repéré. Ah si, je cours si je veux. Voilà, de toute façon je vais mourir, donc aucun intérêt. Je vais pas gaspiller des balles de revolver. Ah, la mienne aussi. Excellente quand même les réactions des androïdes.
On dirait que je l'ai semé. Ouais. En plus, j'ai même pas besoin d'aller en bas en plus. Ouais. Je vous trouverai. Ah, pas si sûr. Ah si, le voilà. Ah, ils sont deux. Cette fois-ci, je vais essayer de retenir ma respiration. Ils sont juste devant moi. Non. On a presque envie de se pencher pour regarder, hein, tellement c'est bien fait. Ma santé a morflé. Désactiver la caméra, ouais. Ouais. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait tout ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Un autre terminal. Et l'autre terminal, bien sûr, il est dans la salle. Ça, c'était évident. Qu'est-ce qu'on a par là ? Inventaire plein. Alors, on va fabriquer. Non, non, j'ai pris ce qu'il y avait là. Qu'est-ce que je peux fabriquer encore? Non. Alors, le terminal, qu'est-ce qu'il raconte ? Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrent. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ici Verlaine du Torrent. C'était quoi ce bordel ? Sébastopol ? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord ? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts.
nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez ? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Bon. Bon, bon, bon. Ils sont toujours en train de me chercher. De toute façon, je vais pas avoir le choix là, je vais être obligé d'y aller. On va faire une petite sauvegarde pour la route. Bienvenue sur le stream. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui sur Alien Isolation, dans sa version Xbox One, sachant qu'il est disponible également sur PS3, PS4, Xbox 360 et PC. Peut-être tenter de passer par là quand même, en espérant ne pas tomber nez à nez avec un alien. Ouais, je suis retourné à l'étage, là ça sert pas à grand chose. C'est un conduit qui ne me sert à rien du tout. Lui avec ses malentendus. Là ça me semble pas mal là. Là il me semble que j'ai pris le bon chemin. C'est bon, la voie est libre. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Dès que je vois un placard, j'ai tendance à me mettre dedans. J'avance comme une vraie flippette dans ce jeu. N'empêche, j'ai bien raison. Tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le radar?
Ouh, ça se rapproche. Ouh, ça se rapproche, c'est juste devant. C'est bon, la voie est libre. Bon, je vais mettre ma carte à jour. Un petit coup sur le plan. Ça se trouve, j'étais au bon endroit. Non, j'étais pas au bon endroit. Toujours pas d'aliens en vue, je suis assez fier de moi pour le coup. C'est bon, je suis au bon endroit. Équilibrer les valeurs. Voilà, c'est équilibré là. Ah oui, non, d'accord. Dans ce sens-là. Et alors, c'est tout? Appuyez sur les données correspondantes lorsque le circuit est actif. Rien du tout. D'accord, donc c'était pas les touches, directionnelles. Ah, cinématique. J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuel, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon, leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Monsieur Samuel, Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose, une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Celle qui est derrière toi. Une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien, c'est extrêmement dangereux. Taylor est blessée. Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée.
Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Ah merde. Ah oui, merde. Interrupteur GNR engagé. Veuillez rester à l'écart. Putain, c'est la merde, ça. C'est la grosse merde. Où est-ce que je dois me rendre ? Retourner auprès de Samuel C. Taylor, se trouve dans le transit CMO. Ah oui, en fait, j'étais pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Retourner par Sixoncom pour m'échapper. J'ai tous les androïdes lâchés sur ma gueule, là, ça va pas faire du bien. Non. Putain, qu'est-ce que tu fous? Faut que je remonte par là. Putain. J'avais un truc de sauvegarde. Ça, je vais peut-être le faire. Ouais. Je vais tenter de sauvegarder. Vas-y. Donc,
Je sais même pas où je vais. Tout va bien. Attends, entre les androïdes, l'alien. Alors là. Ah, c'est ça la merde en fait. Je ne peux pas aller par là. Donc je vais prendre tout droit. Interrupteur GNR engagé. Veuillez rester à l'écart. Putain, l'enculé. Pareil, je vais refabriquer tout ce que je peux fabriquer. Voilà, ça fera pas de mal. Ah merde. Ah, je fais quoi pour eux? Ah merde, j'ai fait trop de bruit, putain, quel con. C'est peut-être pas par là que je dois aller. Allez, dégage! Bon, je vais me laisser mourir parce que là... Là, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, comment je pourrais passer ces trois mecs? Ça va être coton. Donc. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Sébastopol, ici Nina Taylor, administratrice exécutive pour Wayland Yutani. J'accuse réception de votre transmission. Je fais partie d'une équipe chargée de récupérer la boîte noire du Nostromo. Cette boîte noire que vous détenez est d'une importance capitale pour Wayland Yutani. Sous les accords de la société, nous avons essayé
GNR engagé. Veuillez rester à l'écart. Putain. Où allez-vous ? J'avais beau le savoir, j'ai encore réussi à être surpris. Pas mal. Un medikit, ça c'est parti. Donc j'étais en train de fabriquer. Je m'en plaignais déjà dans le dernier stream, mais c'est vrai que l'inventaire est pas forcément super bien foutu. Je vais recharger le flingue, mais en même temps ça me ferait vraiment chier de devoir l'utiliser. Bon. Suis-je vraiment obligé de passer par là? Oui, je n'ai pas le choix. Si je me planque dans l'armoire, ils vont m'entendre. Réfléchis. Virer l'éclairage, mais je sais pas d'où en fait. Putain! Ah, c'est bon. Ah, je vais la jouer petite bite. Mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'ils vont descendre dans le conduit? Je pense pas. Du moins j'espère pas. Je suis bientôt arrivé. Et en plus j'ai le point de sauvegarde juste à côté, ce qui est pas plus mal. Au-dessus de la gueule. On va laisser s'éloigner. Là, c'est pas mal.
Un petit coup de sauvegarde. Un passage assez tendu. Alors, est-ce bien par là ? Hop, c'est parti. Si j'ai au bon endroit au moins. Ouais. Ah. La voie a l'air relativement libre. Ah, c'est moi qui suis en flip total, mais j'avais cru entendre... Ah si. Si. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toujours pas d'alien, hein. Ça, ça fait plaisir. J'espère que ça vous donne ça en plus du stream de lundi. Alors je sais que le stream de lundi vous n'avez pas pu le voir en replay à cause d'un gros souci de Twitch sur Xbox One. Mais voilà, j'espère que sur ce nouveau stream vous pourrez vous faire une bonne idée du jeu, de ce qu'il propose. C'est pas facile en plus de jouer à ce genre de jeu quand on n'a aucun sens de l'orientation. Voilà, tous les androïdes en fait pacifiques que j'ai vus depuis le début de l'aventure, bah finalement ils n'étaient pas si pacifiques que ça. Je vais pas avoir le choix. Travailleur main, assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol.
trop mal parti là. Ah merde. Dégage. Bon, là ça a l'air pas mal. Une bonne avancée, ma foi. Une bonne avancée ce matin. Pas de mort trop violente. Toujours pas d'alien. Ça c'est. Alors, est-ce que c'est le fait de jouer sans arrêt accroupi avec le détecteur ou est-ce qu'il va revenir plus tard? C'est une excellente question. J'ai pas de réponse. Ce fameux écran de chargement quand on zappe deux zones. Emprunter le transit vers la tour Symed. Alors là par contre, je serais vraiment pas du tout contre un point de sauvegarde. J'ai comme l'impression, je sais pas pourquoi, que je vais revoir mon pote alien. Tiens, d'ailleurs... Cours pas, cours pas. Tu me fais peur. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Oh putain. Vite, vite, un endroit pour me cacher. Putain, il y en a pas. Ah si, là. Oh putain. J'ai fait trop de bruit. Est-ce que c'est l'alien ? Ça se rapproche en tout cas.
Peut-être virer le détecteur parce qu'avec les bip bip ça va finir par l'attirer. On dirait que la voie est libre. Un étage plus bas, on dirait bien. Avec un point de sauvegarde à la clé, je vais essayer de pas merder. Au niveau du plan, j'en suis où? Alors là, je vois bien. Je vois bien où il faut que j'aille. Mais du coup, là, je vois plus trop où je suis. J'ai dû descendre un étage en trop. C'est pas possible. Putain. Il est juste au-dessus de moi. Il est juste au-dessus de moi. Je vais essayer de remonter. J'ai dû me louper d'un ou plusieurs étages. J'ai dû me louper. Et salut Eagle Fight, bienvenue sur le stream. Sois pas perturbé si je parle pas trop. J'essaie tout simplement de survivre. À cet alien que j'entends plus ou moins partout. Ah d'accord, ok, c'est bon. Je vois dans quelle salle je suis, je vois où il faut que je retourne.
Je vais d'abord essayer de redescendre d'un étage. Ouais, en fait j'ai fait un grand détour pour pas grand chose. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Il est juste là. Ah. J'essaie de m'en sortir, c'est pas évident. Jusqu'à présent, je m'en sors pas trop mal. Là, j'ai un alien au cul là. C'est bon, il est reparti. Ouais, non, encore une fois, j'essaie vraiment de la jouer. Putain. Il est où? Il est où? Oh putain, il est là. Il m'a vu! Il m'a vu! Putain. Je suis mort comme une merde. Ah, il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive. C'est con, en plus j'ai perdu une certaine progression là. Non, il est loin d'être évident. Surtout que l'alien en fait est vraiment super imprévisible. Tu sais jamais d'où il va sortir. Quand tu penses qu'il s'est barré, ben, la preuve il revient. Je vais tenter une autre approche. Ce sera plus simple. Ouais, elles sont super stylées les morts. Enfin, pour l'instant j'en ai vu qu'une, celle-ci. Mais il y a aussi la mort avec la bouche. La bouche dans la bouche dans la bouche. Je pense que je vais y avoir droit. Oh, j'ai réussi à échapper au cyborg. Mais l'alien, ça a été plus fort que moi. Et encore, j'ai désactivé la reconnaissance Kinect, parce que sinon, normalement, même les bruits qu'on fait dans la pièce, les bruits d'ambiance, le seul fait de parler, ça peut attirer l'alien, normalement. Alors... J'en suis où ? J'ai un énorme souci de plan là. Salut. J'ai comme l'impression de revenir sur mes pas là, bordel. Je me souviens même plus où était mon dernier checkpoint. Tout va bien. Sixon. Bordel. Tatatam.
J'avais dû aller par là. Ouais, c'est ça. Faut que je me retape tout ça, tout va bien. De recommencer de façon un peu plus cool. Vas-y, vas-y, dégage. Laisse-moi la place. Il va pas vouloir partir, lui. Si, c'est bon. Me regarde pas. Ne me regarde pas. Ah, retourne d'où tu venais. Retourne d'où tu venais. S'il te plaît. Y'a pas de soucis, Eagle Fight, tu fais comme chez toi. Où est-ce qu'il s'est barré, lui, bordel? A tout de suite. On fera une pause aussi, de toute façon, vers midi. Et puis le stream reprendra cet après-midi. Voilà, dans l'idée, c'est vraiment, c'est de... Putain, là, s'il ne me voit pas. Ah putain, il m'a vu. Oh! Alors attends. Des fois, la meilleure défense, c'est la fuite. Y'a pas à chier. Bon. Alors, cette fois-ci, il va falloir la jouer serrée pour pas se faire déglinguer par le alien. Ou alors, c'est pareil, hein, j'utilise le même système, mes jambes à mon cou. Je suis pas sûr que ça marche cette fois-ci. Si ça peut marcher sur des petits androïdes de merde, je suis pas sûr que ça fonctionne sur l'alien. Ça c'est dommage, hein. C'est les temps de chargement. Bon, heureusement ils sont pas, on en a pas à chaque zone, mais quand même. Ouais, c'est reparti. Chargement toujours. Donc, tout droit. Et voilà l'alien déjà.
la tenter comme ça. Je suis sûr que je fais une connerie en allant dans les conduits. Pourquoi je ne peux plus aller par là? Ouais, il faut que je reprenne le conduit. Est-ce que là... Ah ou non, là tout droit. Sur la pointe des pieds, mais alors vraiment, il faut que j'arrive à sauvegarder. Il est juste là. Un, deux, trois. Ouh. Il est sur ma gauche, pas très très loin. Ah non, c'est pas l'alien, apparemment ce sont des humains. 16, 15, 14, 13, il se rapproche, il se rapproche. Il y en a des deux côtés. 48, 50. Ils ont l'air de s'éloigner. C'est bon. On y va. Donc, retourner auprès de Samuel C. Taylor. Se trouve en gare de transit. Skmod. Emprunter le transit vers la tour Skimed. C'est celui qui est juste en face. Alors que l'alien rôde toujours, je peux l'entendre. Hop là, c'est bon. Et encore un succès déverrouillé. Vous ne devriez pas être ici. J'imagine là que je viens de finir un chapitre. À la bonne heure. Midi moins 10. Je pense qu'on va s'arrêter après ce chapitre-là, pour l'instant, et puis on reviendra après. Le temps de se sustenter, de déjeuner, tout ce qui va bien. Histoire de repartir dans le combat le ventre plein. Bel écran de chargement. Ah, c'est du stream moins vivant que d'habitude, beaucoup plus tendu. Il y a vraiment une certaine tension qui se dégage de ce titre. Forcément, chaque faux pas peut se révéler fatal, et l'a souvent été. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Ripley, c'est toi Ripley.
Oui, c'est bien moi. I am Ripley. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur. Ici, là, créature nous attaque. Cachez. Ah bah elle t'attaque. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Oups. Oups, oups, oups. Pas de temps à perdre, facile. T'as qu'à le faire toi-même. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à ramasser déjà par ici? Une petite sauvegarde, ça ira bien. Hop là. Je retourne près d'eux et donc voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour cette première partie du stream du lundi consacré à Alien Isolation. Sur, je vous rappelle donc qu'on était sur la version Xbox One. On revient dans quelques, je pense d'ici une heure et demie grand maximum. Donc pour la suite de ce lundi consacré à Alien Isolation. Voilà, d'ici là, bon appétit si vous passez à table et on se retrouve tout de suite ou tout à l'heure plutôt.